Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Spider-Man 2, le troisième déjà. La dernière fois on s'est fait virer comme un malpropre de notre taf. Parce que Spider-Man du coup il est plus là pour sauver les gens que pour être prof. Donc on va continuer tranquillement l'aventure et on doit se rendre par là-bas. On va aller voir ce qui se passe. Ok, let's go les potes, on arrive ici. Oula, ça joue au frisbee sur les toits. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Alors, il faut prendre une photo. Ok. Donc, c'est mon nouveau job. Attends, on va essayer de prendre une belle photo. Pourquoi ça prend pas la photo? Prenez une photo d'une histoire de New York pour la. Bah oui, bah c'est ça. Ah merde, il faut viser. Ok. Et voilà, plus qu'à envoyer et. D'accord. Peter, comment vas-tu, mon garçon? Salut, Robbie. Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal. Magnifique. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Il faut que je file, j'ai une réunion. Mais si tu trouves l'essence de la vie new-yorkaise ailleurs, contacte-moi. Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. L'essence de la vie qu'as ailleurs, ça veut dire quoi ça? Soit plus clair, frérot, quand même. Alors, votre progression par quartier avancé qui avait un bébé écrit. Ok. Ouvrez la carte. Alors, la carte recense et indique les activités des 14 quartiers de New York. Ça en fait un petit paquet quand même. Au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, de nouvelles activités se débloquent. Ok. Alors, chaque quartier possède 3 paliers de récompense. Le second palier de récompense vous permet d'utiliser le voyage rapide dans le quartier concerné. Ok, très bien. Sélectionnez un quartier pour voir votre progression et consultez régulièrement la carte pour découvrir comment vous pouvez aider les New-Yorkais. Explorez la ville pour découvrir les activités à proximité et les ajouter à votre carte. Ok, très bien. Donc là, c'est quoi ça? C'est une photo. Ça doit être un crime. Ok, agression. Mais est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse l'histoire principale? Est-ce qu'on peut faire les. Ah, ça se trouve, je suis obligé de faire des petites activités annexes, les amis. Ok, bah, on va essayer de faire 2-3 petits trucs comme ça, voir ce que ça nous débloque. Alors, du coup. C'est parfait. Ok, ça c'est good. Ma grand-mère me racontait ses promenades là-bas. Elle empruntait le pont tous les dimanches pour aller chercher les meilleurs légumes de la ville. Un jour, elle est arrivée plus tard que d'habitude et n'a pas pu acheter de tomates, car l'homme devant elle venait d'acheter les dernières. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père. Ok, on va essayer d'aller faire le crime. Par là. C'était par là, non? Non, c'est peut-être en dessous, non? Non, c'est là. Oh, y'a mon frérot, nice! Ok, ça fait du bien une petite bagarre, et ça met en forme. Bah, déboîtage de jambes. Merci. On devrait partir en tournée, un de ces quatre. Ce sera enfin l'occasion de plancher sur une Spider-Mobile? Donne-leur une leçon, Spider-Man! C'était incroyable de te voir à l'œuvre. J'en ai mal aux genoux rien qu'en te regardant. Genre. Bon sang, j'ai une crampe. Zut. C'est bon. Ça va. C'est en train de passer. Ok, je te laisse avec ta crampe. Moi, je vais essayer de faire autre chose. Allez, let's go. On va se changer. Hop, hop, hop. Non. Ok, ici. Alors, on débarque sur le toit et on récupère une nouvelle tenue. Nice. Alors, style de tenue, vous avez reçu un jeton de la ville. Vous pouvez acheter de nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville, vos pièces high-tech ou d'autres ressources. Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues, fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0. Oh, la orange, elle est stylée! Les tenues disposant de styles possèdent 3 styles alternatifs en plus de l'original.
Ouais, ah, j'ai envie de me mettre en doré, moi. C'est sexy, oui. Alors, des tenues et des styles supplémentaires se débloquent au fur et à mesure de votre progression. Achetez-les en collectionnant les jetons de la ville et les autres ressources. Ouais, ok. Alors du coup, est-ce qu'elles ont un avantage spécifique? Oh, celle-là, j'aime bien aussi avec la petite capuche. Elle est stylée. Du coup, je vais garder celle-là. Et pour Miles? Ah, en noir et blanc, Miles, ça le fait, hein. Vas-y, on va la fabriquer. Voilà, comme ça, les deux ont une tenue différente. C'est cool. Alors du coup, au niveau des gadgets, on va regarder... Ajoutez un tir à votre nombre maximum. Ok, et dans les lance-toiles, entoiler plusieurs ennemis grâce à votre tir rapide, viser des ennemis. Ok, on peut. Oh non, ça peut être cool ça pour regrouper les ennemis. Attrape-toile, ok. Après, je m'en sers quand même pas mal de ça. Mais j'ai pas assez de pièces high-tech. Ok, donc du coup, je peux rien faire d'autre. Ensuite, point de compétence. J'ai pas de point de compétence. Achat impossible, achat impossible. Ok, c'est juste pour me dire que j'ai des nouveaux trucs possibles. Mission. Histoire principale. Tension de surface terminée. Nanana. Ok. Donc là, pour l'instant, au niveau des missions, on est bien. Et on a eu un petit trophée qui tombe. Stylé. Salut, MJ. Hey, MJ. Je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée. Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles et toi? Ouais. Pas simple, ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ouais, ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Allez, let's go dans notre nouvelle tenue. Ah non, c'est assez copine. Assez sympa, les amis. Oh là! Ok, il y a un petit crime en cours là. C'était criminel cela ou est-ce que c'est les miens? Et tu sais, on peut partager. Allez, nice. Il va falloir que j'y aille. Ok, mais on check. Du coup de main. Pas de soucis. Mais la prochaine pizza post-combat est pour moi. Ok, bon bah allez. À bientôt, frérot. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, il y a un fuyard à moto. Ah non, c'est MJ. Merde. Putain, elle roule tranquille, elle en moto. Wow! Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef? C'est assez pratique en ville. Mais... je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait virer. Oh. Ah oui. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Wow, c'était... impressionnant. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Ah ouais, d'accord. C'est radical quand même votre pays là. Tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques? J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Ça fait pas beaucoup en effet. Le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. Ça va, il est positif quand même les deux. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Mets ça au fond? Ouais. Ouais, mets ça où tu veux.
Je vais juste faire un peu de rangement. Alors, il faut ranger la maison. Ok, alors on va voir comment Spider-Man y range sa maison. Juste avec les mains comme ça. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste Speed, que je l'y aille dedans. Alors, je sais pas si c'est Nonagon. Nonagon Speed Nonagon. Ah oui, Nonagon, ok. Ça, c'est pas à ranger, c'est à manger, non? C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Oh putain, il y a des chemous sur. Je sais pas trop. Sur les fruits. Okay. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ah, mais il va y mettre à la poubelle? Non. Je pourrais vendre la maison? Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais. Je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non. Je peux pas te laisser faire ça. En attends, mais t'as des sous alors, meuf. Réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Mais elle a des sous en vrai alors, si elle, si elle peut racheter la maison. T'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. C'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison? Bon argument. Ok, je scanne la maison, mais pour faire quoi? Il y a des chaussettes de partout et des slips, il y a tout ce qu'on veut là. Oh, il y a une facture impayée là. 4 000 $. Avis d'échéance hypothèque. Ah bah ça va, c'est pas non plus. Ah ouais, reste à payer quand même 494 442 $ et 47 centimes. Oh, intérêt à 6,89%, mon dieu. Oh la vache. Mère a hypothéqué la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Ah ouais, putain, on est dans la sauce. Hein. Wow. Bah quand on aura trouvé tout ça, je crois qu'on va peut-être prendre l'option de cambrioler une banque avec Miles. Je te poserai la question. Est-ce que tout ça est à mai? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais... pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes? Des vieilles photos de toi, trop chou. Vas-y, moi aussi ça je vais regarder les photos. Que je les ai pas vues. Balance. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi elle a pris ça en photo? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Putain, il est joli le petit truc dans le mur. Je sais pas si c'est moi qui ai tapé dedans. Mais... que je garde la photo au cas où. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Alors, il faut se rendre dans la pièce. Ok, voilà, c'est le bordel. On va y laisser tranquille. Alors, du coup, il faut aller à l'étage. Bon, là, on est un petit peu en phase chill. Durant cette mission. Alors, du coup, dans quelle pièce ça a été pris, ça? Ici. Oh non, là c'est trop bien rangé, trop propre ici. Ok, la salle de bain. Oh nice, il y a une petite... où est-ce qu'il était, ce trou? Il y a une petite poupée de Spidey. Le trou, il était par là, non? Ah non, je l'avais peut-être caché derrière le... je l'ai caché derrière le placard, non? Mais, avec tes lunettes énormes. Oncle Ben, quelle classe! Et il était pas là le trou? Attends, on va scanner avec ça. Ah non, il était là. Ok, bah je me suis trompé de mur, mais. J'étais pas très loin. Spider-Man, est-il une menace ou un danger public? Notre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace, ce taré! Je vais vous dire un truc, soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi au final? Un imposteur? Un égocentrique? C'est n'importe quoi. T'inquiète, tante May, c'est rien. Qui a fait ce bruit? Quel bruit? Oh, Peter. Oui, j'ai fait un trou. j'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? C'est rien. J'ai juste...
Allez, psychologie, c'est parti. Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Bah, GG. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors, j'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ah, mais c'est elle qui a fait le dessin. Ce n'est pas un sprint. Elle dessine bien, en vrai. Et je m'entraîne encore. Ouais, au point où on en est, de toute façon, il y a un trou, tu peux dessiner sur le mur. Vas-y, à ton tour. Ouais, ils font ça, c'est tranquille, genre, waouh, se dessiner. Hein. Moi, vous me demandez de faire ça, les amis, d'improviser comme ça. Ouais. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Moi, je fais deux yeux tout bidon, là, deux ronds, et puis c'est bon. Hein. Ça fait des yeux. Alors, les 400 coups, il faut trouver MJ. Ok, donc MJ, elle est en bas. Normalement. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. Oh oh MJ ! Qu'est-ce qui se passe ? Henri ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolé. Harry ! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour May. Je suis désolé. Harry Osborn. Et comment c'était ? Petit bâtard. L'Europe. En fait, j'étais soigné en isolement ici à New York, mais... Putain, elles sont bien faites les voitures, hein. Vous avez vu ? T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. Je sais pas pourquoi il lui court tout ça après. MJ, c'est pas la plus belle du lycée. Hein. C'est nouveau, ouais, ça. Elle a une belle moto, ouais, mais... C'est un loisir qu'elle a découvert en Sibérie. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi? Tu rigoles? Tu veux entrer? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément? Dans le coffre? C'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, mais les vélos, ils tiennent là-dedans? C'est la vieille bécane? Non, j'ai trouvé sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hé, hey, y a même les autocollants et tout! T'es sûr que c'est pas mon vélo? Vrai? Bien sûr que c'est le tien. Ouais. On va où? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller? Oh ouais, je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, t'es pas obligé d'écarter les jambes comme alors, ça, frère. Pour... Qu'est-ce qui t'a autant occupé? Surtout pour pédaler, hein. De la suppléance entre deux licenciements. Ok, tu veux jouer à celui qui va le plus puis, vite. Je suis le tuteur d'un lycéen. Je suis un pro spamming des touches. Unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au match. Moi, ouais, j'ai joué à Way Out, hein. Il fallait spammer les touches. J'ai des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. Bon, en tout cas, c'est sympa de se remémorer le passé comme ça. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a fait des... Ah, ok, d'accord. Je viens de comprendre quand il dit j'étais malade. C'est le truc qu'on a vu au début et du coup il va devenir Venom. On est à Midtown High. C'est ça? C'est ça notre destination en fait? Je peux ni confirmer ni infirmer.
Donc là, je pense que c'est juste le début de quelque chose qui va être dramatique. On dirait que c'est pour moi, on n'a pas du tout changé en 10 ans. Dans les couilles. Merci. Suis-moi. Bon, ils sont simples, leur petit VTT, mais ils sont sympas. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain ? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Elle est encore ouverte ? Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va ? La voie est libre. Ok, petit retour dans le passé. T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Récupérer la clé USB dans le casier de Peter. J'étais sûr ! Enfin, je le suis ! Mais pourquoi tu reposes la question ? Je sais pas, je suis nerveux ! Eric Bonaccieri. C'est Eric Labourique. Eric Labourique. Vendredi soir. Il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ils adorent le baseball aux États-Unis quand même. Quelque chose de bruyant. Et il semblerait que les joueurs soient au rendez-vous. Non, trop salissant. Flash, attention, plaquage imminent. Oui. Super. Bien. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel. Attends, genre là, il m'a pas vu. Ok. Faut que tu changes, faut que tu mettes des lunettes. Hein. J'ai oublié de te dire. Comment tu fais pour te déplacer aussi, t'as accroupi toi. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, c'est parfait. Ouais. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin. Hein. Cache-toi. Il nous a vus. Ah, comment il peut être là, lui ? Je crois pas. Attends, c'est lui ? Non, non. On se rejoint en gymnase. C'est pas celui qui était en train de passer là. La... Oh, merde. Ça va mal, ça va mal. Allez. Oh merde! Ah non, lui c'est un flic! Voilà. Le pire bloque les portes, non? Où tu te caches, petit merdeux? Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein? J'ai bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Attends, il faut que je descende. Comment on fait pour passer là ? On peut pas ? Ah non, merde, c'est là qu'il faut passer. Homecoming, ok. Alors, ok, R2 et croix pour sauter au plafond. Mais il faut aller à un autre endroit. Ah oui, faut aller là. Ok, c'est la phase infiltration. Bon, Bibli, labo photo. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Facile. Attends, il me fait peur, lui, à me surveiller, là. La voie est libre. En avant. Quoi, ça ? C'est mort. Hey ! Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. Ah merde, je croyais que c'était une porte. C'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown. C'est une légende. Attends, il m'a ouvert la porte.
Je sais que t'es dans quoi. Non, non, non. T'as rien vu. Merde, putain, c'est de l'autre côté qu'il fallait aller. Oh, chier. Ah merde, je suis niqué là par contre, les amis, non? Merde. Mais je peux pas m'accrocher. Merde, fuck, 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 fuck. Oh la vache. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Putain, mais Antoine Le fait quelque chose. Fait quelque chose. Putain. Ah, je fais comment pour passer maintenant? Putain, je me suis foutu dans la merde, sérieux. Ouais, bon, bah, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je peux pas trop bouger. Bon bah comme on s'en doutait, hein, je me suis fait niquer par le gardien. Ah mais merde, c'était là la sortie. Putain, j'étais juste à côté, j'ai même pas vu. Les aérations, le royaume des araignées. Ouais mais t'en fous les araignées, tu connais un peu. Où j'ai rangé mon fluide de toile? Alors ton fluide de toile, ce qui est là? SU. Non. Le docteur Octavius y donne une conférence le mois prochain. Il faut que je prenne des places avant que ce soit complet. Il est où ton fluide? J'avoue, elle a un petit côté culte des héros. Non. Ça, c'est pour les négatifs, non? J'avais croisé MJ après l'avoir prise. J'avais pas réussi à me décider entre Hello et Salut. Ouais, et ça avait fini en... Élu. Ok, Harry, on ouais, du coup ça en s'en fout. Un escalier rouillé pour faire ce cliché. Mais ça en valait la peine. Là-dessous, qu'est-ce qu'il y a? Je les ai rangés quelque part par ici. Ah, trouvé. Ah, mais c'est une fiole. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ouh, c'était chaud. On est un peu dans la merde. Ok. Salut toi. Il regarde même pas où ça part. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. Oh merde, fuck. Ok, alors du coup... Traverser. Ah oui, regarde, on peut traverser easy comme ça. Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. Oh mon dieu. J'aurais commencé à prendre des notes, moi. Tu laisses toutes ses affaires partout. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Alors, trouver des diversions. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, je vais taper un sprint. Ouais, ouais, c'est pas vrai. C'était pas vraiment un sprint, ça, mais ok. Merde. Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Putain, j'ai du mal à monter au plafond comme ça. J'en chie grave. Hein. Alors, du coup, ok, nous il faut qu'on aille par là. Mais attends. Rick, la bourrique. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ouais, okay. Désolé. Voilà.
On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Et on passe derrière le... l'homme de ménage. Putain, il m'a fait flipper, lui. Oh, la vache, je croyais qu'il t'avait eu. Putain, il ressemble à celui qui est dans Infamous. Si vous avez la ref, les potes. Avec son bonnet. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. Mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Coupé. Eh ouais. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Si je la mets, tu me payes un tacos. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. Bah oui, on vient d'arriver. J'étais occupé et... je sais pas. Loupé. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Allez, en tout easy. Cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc. Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Oh, GG. Bah, ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. Et le 3. C'est quoi le score? 3-1. Alors là, aucune idée. Moi, je peux te le dire. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. 3-2. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances? Tu saurais retrouver ton ancien casier? Ok, on est reparti pour de l'infiltration. Tu crois qu'il est passé où, ce gardien? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Ouais, c'est un peu ce qu'on est venu faire à la base, normalement. Flash doit payer pour avoir pété ton ordi. Non, allez au casier de Peter. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis deuxième voix à la chorale. Ouais, mais c'est pas mal. C'est mieux que rien. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Oh, t'es mal, les trophées. Si c'est du vrai or, il y a une petite fortune, non? On paye la baraque. Dépêche-toi! Ah merde, moi je voulais. On renvoie dans l'ascenseur. Je voulais le suivre. Mais il sait que je me déplace comme ça, l'autre, ou quoi? Étage trois fois. Je suis en train de perdre mon temps là. Parce que se déplacer comme ça, moi je vois un de mes potes se déplacer comme ça, je me pose des questions. Alors qu'est-ce qu'il nous fait, le gardien? Est-ce que je dois passer dans son dos quand il est tourné? J'ai peur d'y aller en fait. Je vais peut-être y aller. Hein, faut pas que j'y aille. Peut-être que je sorte avec une touche. Ah ok, non, fallait que je fasse distraction. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est un ascenseur. Oh, excellent. Clairement j'ai eu du bol. Oh ouais. Vas-y, prends la clé et on s'arrache. Ok, where is the clé? Ah là. Merde, j'ai le code ou pas? C'est quoi ce truc? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh, la poisse. Qui est là? Ah, oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours. Oh. Hey. T'abuses? On va se faire arrêter. Faudra d'abord qu'il nous attrape.
Claire, il avait pas l'air rattrapé. Oh merde, c'est pas ce genre de nostalgie, où est-ce qu'ils sont partis? T'as toujours la clé? Ouais. Il y a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. Oh merde. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Attends, je vais toiler, je vais toiler. Tu te fais pas choper? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Toile, toile, toile. Merde, ma clé. Non. Police, dépêchez-vous. Oh putain, il l'a dans sa poche. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. Je vais trouver de fouiller d'accord. Le slip. Fouiller la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isoler le garde pour récupérer ma clé USB. Alors, distraire la police pour isoler le garde. Mais on a besoin de votre déposition, vous avez vu quoi? Eh ben, Rick Labourique, enfin, je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films dans ce genre-là. Des films? Venez voir! Vous avez vu quoi, précisément? Eh ben, vous les avez vraiment vus? Pas vraiment, non, mais je les ai entendus. Roulement de tambour. Très bien. J'ai plus qu'une seule personne à éloigner. Et le dernier truc, il est où? Je ne le vois pas. Il doit être par là, non? Putain, je vois pas. Ah, ok, si, c'est là. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ouais. Et leur canular débile. Super. Si j'avais le temps. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Jerry doit être en train de m'attendre. Elle a sûrement préparé du pop-corn et le thé que j'aime bien. C'était quoi ça? C'était chaud. Oh, comment je me sors de là maintenant? Sale gosse, il est dans le bureau. I'm gonna give you up, I'm gonna let you down. Na 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 na. GG mon poteau. C'est bon. C'est une belle chanson. Vas-y, envoyez les hélicos et tout. Faut se bloquer. Merde. C'est pas la police. C'est mon père. Ah ouais, chercher en hélico. Et même les plus grands braqueurs, ils ont pas ça et nous on a ça. Ah, par contre, on va peut-être se faire papa, défoncer. Je t'ai dit que je t'appellerai en rentrant. C'est ta mère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Peter, tu nous excuses une minute. Ah, et c'est là qu'il apprend la triste nouvelle. Il est joli le stade de... Harry, c'est quoi? Merde. Ça Ah, j'ai perdu le nom du sport. Avec notre football américain. On aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. T'as raison, kiffe la life. Kiff, kiff, kiff. Wow, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche? Allez, ça me va. Ça marche. J'ai amené croissant.
Pete. On va guérir le monde. Bah j'espère, hein. Putain, je les avais oubliés, ceux-là. Le manoir et la reine sont presque achevés. Éclaireur, on rapporte. L'homme sable nous a échappé. On doit faire une croix dessus. Je les avais oubliés, eux. Les hommes préhistoriques, là. Alors, ce n'était pas lui. Bien reçu. En attente de vos ordres. Soyez prêts pour le transfert demain. Et ne me décevez pas cette fois. Craven. Ok, on se reverra.